Je suis une motarde. Enlève ça. Bonjour, je m'appelle Nadège, j'ai 23 ans et j'habite dans l'Ain. Bonjour Nadège, alors, sur quoi tu roules ? Sur une 600 GSR. Depuis quand est-ce que t'as le permis ? Un peu plus de 2 ans et demi. Et toujours 12 points ? Non, mais je les ai pas perdus en moto. Pourquoi as-tu choisi de devenir motarde ? Je l'ai pas choisi. Depuis que je suis tout petite, j'ai envie d'être sur une moto, donc dès que j'ai le droit, j'y suis allée. Et t'es pas bien grande, quand tu t'arrêtes, tes pieds touchent par terre ? Oui, mieux que certains mecs. Selon toi, comment les motards et les motardes sont-ils perçus ? Encore trop mal, ils passent pour des méchants. Et au niveau du permis, c'était tout du premier coup ou t'as galéré ? J'ai galéré, mais c'était tout du premier coup. À quoi est-ce que tu penses juste avant de monter sur la moto ? Je suis toute contente. Je pense que ma plus belle expérience, c'était quand même ma première manif. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et waouh, c'était énorme. On était tous là, c'est la famille, c'est les copains. Et on le ressent en fait dans chaque événement motard, que ce soit des salons, les courses, bol d'or, etc. Et c'est juste énorme, quoi. C'est un monde, on est dedans, on se sent bien. Ta plus mauvaise expérience ? Ma glissade avec ma première moto sous la pluie. Comment ça s'est passé ? La route était un petit peu... Enfin, elle avait beaucoup de défauts, donc ça peut être plein de choses. Pas trop de mal ? La moto. C'est le plus douloureux. Sur la route, est-ce que tu te sens encore en liberté ? Pas vraiment. De moins en moins. Qu'est-ce qui te gêne ? Ce qui me gêne, c'est que je commence à avoir de plus en plus peur de ce qui pourrait m'arriver en termes de sanctions, plutôt qu'en termes de sécurité, c'est-à-dire une voiture qui me coupe la route, etc. Et quand tu roules, est-ce que tu te sens dévisagé en moto ? Non. Je me sens observée, mais quand je regarde les gens, ils retournent vite la tête. Ils ont peur de toi ? J'ai l'impression. Alors que t'as pas l'air méchante comme ça. Bah non, mais bon, dès qu'on fait un petit sourire ou que ça se passe... Enfin, un petit sourire, il se voit peut-être pas forcément, mais ça se voit au niveau des yeux quand même, l'expression. Comment est ton rapport avec les autres usagers ? Plutôt bon. Plutôt bon, sauf quand ils me font des queues de poisson. Là, on s'entend moins bien, bizarrement. Alors, je te rappelle que tu as un buzzer sur le côté, et s'il y a des questions qui te dérangent, tu peux l'utiliser. Tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher aux autres conducteurs ? De pas prendre en compte assez l'environnement. Et qu'est-ce que tu aurais, toi, à te reprocher ? Absolument rien. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le monde de la moto ? La convivialité, l'humour, la déconne, l'ambiance. Et inversement, qu'est-ce qui te déplaît ? L'impression de perdre tout doucement la solidarité. À ton avis, c'est dû à quoi ? Je pense que c'est la manière dont on vit, la société qui évolue un peu comme ça, un peu chacun pour soi. Oui, c'est pas que dans la moto, c'est globalement. Non, c'est globalement, et du coup, malheureusement, ça commence à venir aussi dans la moto, c'est dommage. Est-ce que tu roules la moto avec un gilet jaune ? Ça, c'était le gilet jaune, j'aime oui, pas c'est trop. Gilet jaune. Ça m'a énervé. Attention. Est-ce que la moto, c'est un aspirateur à gonzesses ? Non, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter un moment de solitude à moto ? Le jour où j'ai oublié de mettre ma béquille pour poser ma moto. Pas du coup, je l'ai posée, mais complètement. Dommage. D'ailleurs, tu conduis d'autres véhicules ? Oui, voiture et poids lourd. Poids lourd aussi ? Oui, c'est mon métier. Ah oui, donc toi, en fait, au niveau partage de la route, t'as toutes les visions possibles. Voilà. Ça t'aide ? Beaucoup. Pourquoi est-ce que les motardes passent pour des grandes gueules ? Parce que c'est vrai. Ok. Est-ce que tu te maquilles sous le casque ? Bien sûr. Pourquoi faire ? Parce que quand j'enlève la visière au péage, il est toujours plus content de me voir maquillée. Est-ce que tu te fais souvent draguer en moto ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le motiver à commencer la moto ? Bah, de venir faire un petit tour, derrière moi, ou derrière quelqu'un d'autre. Et si ça lui plaît, bah passer le permis et puis faire des balades avec plein de copains qui ont de l'expérience. Toi, quelles seraient tes idées pour que, sur la route, ça s'améliore ? Qu'il y ait plus de compréhension de chaque usager de la route. Moi qui suis justement chauffeur poids lourd, motarde et automobiliste, je vois tous les aspects, je suis conciliante sur certaines choses. Et je peux anticiper aussi des choses sur d'autres véhicules. Lorsque je suis en poids lourd, je peux anticiper des choses sur un motard, etc. Donc je pense que ça y ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
À ton avis, est-ce que tout le monde peut faire de la moto? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas capable de conduire une voiture, et du coup la moto c'est encore plus spécifique, donc c'est encore plus délicat. Alors, question culinaire, pourquoi est-ce que les motards mangent des brebis? Parce que ça fait du bien à l'intérieur, et que ça se voit à l'extérieur. Qu'est-ce que tu crains le plus en moto? Qu'est-ce que je crains le plus en moto? Les graviers, les glissières non doublées, le gasoil, les feuilles mortes en automne quand il pleut. Et le moins 5, ça pique les doigts. Est-ce que le monde motard est macho? C'est ce qu'on dit habituellement. Non, c'est une apparence. Mais dès qu'on gratte un peu, ils sont tout doux. Alors, nous avons au téléphone Jean-Michel du 59, qui a une question pour toi. Oui, bonjour Nadège. Est-ce que tous les motards, c'est des cons et c'est des connards? Oui, surtout qu'ils laissent pas passer les piétons sur l'autoroute. C'est dommage. Et est-ce que tu as un message pour finir? Manger des brebis. Elle est bien celle-là. Elle est pas mal, ouais.